Journal 90, journal et nouvelle génération qui entre la caillou. Non, même objectif là, c'est pour nous porter information qui a dominé pays d'Haïti. Et bien nous même dans journal 90, c'est nouvelle génération. Et bien c'est raison ça qui fait nous demander de continuer à abonner, inviter des trois amis, des trois familles pour nous rejoindre nous parce que nous même nous là pour nous informer nous de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans le moment où on a parlé là, nous connaissons. Il y a une grosse visite dans le pays d'Haïti, côté représentant américain dans le pays, pour venir Chita parler sous crise politique qui a dominé le pays. Côté déjà Chita parlé avec le président Jovenel Moïse depuis à 10h du matin. Et bien, côté, il y a une grosse nouvelle qui va faire opposition content. Et bien, côté, et bien, Donald Trump lui-même lui a une mission pour venir Chita avec Jovenel Moïse, avec l'opposition. Et bien, il fait quoi que, eh bien, il campe red avec Jovenel Moïse, il a continué à supporter le gouvernement Jovenel Moïse là, il a continué à supporter Haïti. Et il fait même déclaration. Côté nous, on a fait des premiers pour justicier le président Jovenel Moïse. Et c'est même bagaille qui a passé Donald Trump. Donald Trump, il voyait même parole ça pour faire connaître, eh bien, opposition qui cabale pour le problème. C'est comme ça, opposition à Jovenel Moïse problème, eh bien, il a campé red avec Jovenel Moïse. Et comme ça, tout. Eh bien, il y a une idée pour venir une solution avec Crisa pour ici. On suit pour plus de détails. Scoop, scoop, flash, scoop, flash, flash, dernier. Ouais. Appelle mon faire confiance, monsieur. Monsieur connaît. Ouais. Monsieur connaît. Et puis l'autre bail qui gagne tout. Le président a un côté pour mettre. Pour pas coincer trop. Pour pas avoir un espace pour mettre bien. Mm-hmm. Bon, monsieur, écoutez. Excusez pour retard là. Vous avez cherché. Vous avez cherché, mais réunion qu'a fait avec l'opposition pour qu'on finisse. Ah oui. Mais pas jour venir la fini. Nous pas dit tout ça que tu dis en dedans. C'est pour ça que fait en retard. Moi dit tout bail. Tout jour que la pas aucun rapport avec ça que dit. Ça que tu dis. Ne va ça du tout. Il est 10h50 du matin. Faute délégation débarquée n'a pas l'air un sec. Scoop, scoop. Gain ambassadrice Kraft. Gain ambassadrice Simpson et gain 6 autres personnalités qui débarquaient, ça veut dire 8 personnes débarquaient comme président. Dans 8 personnes, ça y est, gain dans yo. Qui sortit dans le département des tatous, qui accompagne Mme Kraft. Et Gonzalo, leur entrée, ouvrir à droite, après ça, on retourne à gauche, ouvrir la porte là, et pour une grande salle qui est la donne, 18 chaises, en marron. Et mon prince-siège, et du côté haïtien, t'es gagné l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères. Scoop. Il n'a pas dit excellence pour eux. D'accord. Je ne sais pas si je vais faire le même foot. Excellence. Hein? Bokshit. Gagné chef cabinet, Naoum Dorville, et Adoué Zéphira, qui accompagne le président de la République. Scoop. Scoop. Qui je donne ça. D'entrée de jeu, le président de la République, Jovenel Moïse, fait une présentation de la situation sociopolitique actuelle, de la crise qui mine le pays, ses problèmes et ses difficultés pour convaincre le peuple, pour convaincre les protagonistes à accepter de se mettre autour d'une table. Le président parlait de des réformes que l'initié et lutte que l'a menée contre la corruption et contre certaines personnes qui impliquaient dans les questions liées à la corruption. Le président Jovenel Moïse il continue à parler pour le montrer volonté que le gagne pour le travail avec l'opposition pour joindre une issue à la crise là. Il dit
Akraf, qu'en plusieurs occasions l'initié dialogue, à plusieurs reprises. Mais toujours est-il que protagonistio, les membres de l'opposition ne peuvent pas accepter Vinchita ensemble avec elle. Malgré ça, il n'est pas considéré comme un président, comme si il voulait garder tout. Il voulait continuer. Travail. Il voulait montrer l'opposition bonne foi. Il toujours continue à lancer un appel au dialogue. Et puis il dit qu'il t'a aimé, mettez sous pied un gouvernement d'union nationale. Avec à la tête un président d'opposition, etc. etc. Et Madame Kraft de répondre. Merci, Monsieur le Président, de nous recevoir chez vous. Nous sommes venus de la part du président Donald Trump. Nous sommes venus pour vous supporter dans la crise. Parce que vous nous avez supporté dans la crise au Venezuela et vous donnez toujours votre support à Taïwan malgré la menace et l'agressivité de la Chine de la région. Scoop. Nous sommes là pour vous, Monsieur le Président. Et féliciter, fin exprimer tout support. Et il ne faut pas surtout oublier que Damsa, lycée membre NSC, Conseil national de sécurité. Il y a siège par le bureau dans la Maison Blanche. Maril et lui-même et ses amis personnels, Donald Trump. Scoop. Il dit tout le monde doit être au courant que vous êtes un président élu. Monsieur le Président, il faut prendre des décisions pour satisfaire le peuple qui est là. Il faut faire travail, il faut prendre des décisions pour satisfaire. Il dit que Apua, Mabaoua, Vinila, il ferme. C'est appui Trump et c'est appui États-Unis d'Amérique. Et comme on dit, ce gouvernement d'union nationale n'a fait tout ça de capable pour mettre le gouvernement d'union nationale là sous pied. Scoop. Parce qu'on prend engagement, n'a pas accompagné la donne à tous les niveaux et sur tous les plans. Lydie, nous pas qu'à accepter que chaque temps, un président élu en Haïti, depuis le mi-mandat, a un problème. Lydie, il faut que ça suspende. Scoop. Haïti doit rentrer dans le cycle démocratique. Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Scoop. Et Jovenel de reprendre, de continuer alors. Madame, je crois que je l'ai déjà dit. Alors Jovenel reprend les deux petits jeunes. Mon papa, j'ai oublié ça, c'est un attendant que j'ai dit. Je veux être, je souhaitais que ce soit la dernière transition. Et le président Lydie Jovenel, que le président rencontrer l'autre secteur, on va travailler avec eux pour m'aider ou pour mouvoir le dialogue là tout. Parce que c'est le dialogue là qui est l'outil essentiel pour sortir de la crise là. Cette dame, maintenant, les commentaires, hein, c'est une dame, c'est pas comme l'ambassadrice. Elle est très tranchante. Elle a un job politique et non un job diplomatique. Elle dit exactement ce qu'elle est venue faire. Aider à résoudre la crise et à mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Et soutenir Jovenel Moïse pour le vote du Venezuela et résistance qu'elle a fait à toute offre chez Nafel. Et la dame, continuez vous le dire. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je suis obligé de vous le dire, Monsieur le Président. C'est une comparaison que je vais vous faire. Donald Trump élu, on était
on essaie maintenant de faire une pitch fight, hein, de destituer le président Trump. Et vous également, vous êtes élu, on essaie de vous envoyer. Deux présidents élus démocratiquement qui ont des difficultés. Nous allons vous soutenir. Il dit, pas oublier nous samedi, on est là pour me soutenir le dialogue. Parce que le pays est bloqué depuis plusieurs semaines. Machine pas qu'à circuler, paysan pas qu'à manger, manger, petit monde pas qu'à l'école, monde pas qu'à l'eau. La vie est devenue trop chère. Les États-Unis sont interpellés par la gravité de cette crise. Nous sommes obligés de venir pour résoudre ce problème. C'était une rencontre donc, bonne ambiance, amicale, très pile courtoisie. Et puis il souligne l'aspect que Jovenel sont hommes d'affaires et Donald Trump sont hommes d'affaires tout. Deux mondes qui pas dans la politique avant, qui pas à faveur des circonstances qui sont devenus des présidents. Donc il est normal à ce que les politiques n'acceptent pas ces deux présidents. La dame de continue pour dire que les États-Unis, pour le respect du principe démocratique et le respect de l'état de droit. Il ne dit pas oublier, non? On est d'accord avant. Et on va travailler sur ça rapidement avec tout le monde. On a supporté un gouvernement d'union nationale. Et pas gouvernement seulement, non? On a fait tout ça en capable tout pour le gouvernement ça vient de travailler au bien-être de la population haïtienne. Et puis, il est fini. Et puis, il va rencontrer l'autre négo. Évidemment, rencontre la fête toujours. Sa femme nous a expliqué nous ça parce que je suis obligé de déplacer pour mal la donne. Moi-même, parce que si je expliqué nous ça, c'est que je me disais, hein? Je me dit, monsieur, quittez-nous, on a fait information, quittez-nous. Quittez-nous, on a fait information, pas suivre-nous. On a fait information. Et là, rencontre fini. Tout le monde comprend qu'on est fini, et puis on finit. Ambassadiste a dit, président de maison. Scoop, scoop. Il dit Simpson de maison. Il a tué les trois. Scoop, scoop. Il a le parlé. Pendant 20 minutes. De toute façon, comme moi, pas de temps, je ne vais pas dire de ça. Tout ça, je dis non là. Pas qu'aucun monde qui a démenti. C'est comme ça qu'on a passé. Nous sommes scoop.